Lors d'un braquage de banque, vous seriez plutôt de quel côté? Gangster ou force de l'ordre? Et dans une course-poursuite alors? Eh bien vous aurez certainement la réponse à toutes ces questions avec la nouvelle édition de Battlefield, j'ai nommé Hardline. Après les terrains désertiques de la guerre moderne, Battlefield s'invite dans la guerre urbaine sur le thème du braquage. Flic contre voleur, un thème qui finalement parle à tout le monde. Bien évidemment, le multijoueur sera au centre de cet épisode avec une multitude de nouveaux modes ou d'optimisations de modes déjà connus. Braquage vous propose, si vous êtes du côté des malfrats, de vous infiltrer dans un bâtiment pour voler deux sacs et les rapporter dans votre base. De l'autre côté, les policiers doivent bien évidemment vous empêcher de remplir votre objectif. Poursuite infernale, quant à lui, tente de dépoussiérer la domination. Ici, pas de points fixes à garder, mais des véhicules. Pour faire tomber les tickets de vos ennemis, vous allez devoir rouler avec les voitures ciblées le plus longtemps possible. Jusqu'à 3 personnes peuvent vous accompagner en voiture et vous défendre, en passant notamment la tête par la fenêtre et en canardant tout ce qui passe. Un mode chargé en adrénaline et qui plaira très certainement aux joueurs un peu moins experts de la gâchette. Si le vol n'est pas votre truc, pas d'inquiétude, vous pourrez toujours aussi faire dans le kidnapping. Le mode sauvetage par exemple est basé sur la protection ou l'extraction d'otages. Ici, vous pouvez gagner de différentes manières, soit en décimant l'équipe adverse, soit en acheminant un des deux otages. Cela ouvre un pan énorme de possibilités et de techniques pour ramener votre équipe à la victoire. Un mode parfaitement calibré pour l'e-sport qui n'est pas sans rappeler l'exceptionnel Counter-Strike. Au niveau du mode solo, vous incarnez Nick Mendoza, un flic venant de la Havane et qui a émigré en Floride. Vous enquêtez sur un réseau de drogue dirigé par Tyson. Et pour une fois, le solo ne vous propose pas que l'habituelle méthode bourrin classique des jeux de guerre. Dans Hardline, vous pourrez par exemple sortir votre plaque, profiter de l'effet de surprise ou encore plaquer au sol vos ennemis et leur passer les menottes dans les règles de l'art. Avec ce mode solo, Battlefield fait le pari du mélange des genres et offre l'opportunité aux joueurs de choisir entre action pure et dure et infiltration. Et on doit dire que c'est assez réussi. Alors si vous êtes tenté par l'aventure, sachez que Battlefield Hardline est déjà disponible en avant-première et en exclusivité sur Xbox One via EA Access depuis le 12 mars et qu'il le sera partout à partir du 19 mars. Voilà, il ne vous reste plus qu'à choisir votre camp. Alors, flic ou voyou ? Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'infos. Vous voulez en savoir plus sur Ori and the Blind Forest? C'est par ici. Et des nouvelles pour la mise à jour de mars? Ah mais c'est aussi par ici. Vous avez juste à cliquer.